Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. A man inside is hollow. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here. You and leave me, buddy. I know you won't, cause we share common interests. You need me there. Bon alors voilà la moto, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je kiffe, c'est la moto que je voulais depuis un moment. Donc je vais vous montrer tous ces équipements qu'elle a, je vais vous la présenter globalement. Donc déjà, on va commencer par l'avant et après revenir vers l'arrière. Poste de pilotage, j'ai un guidon SCAR en 28 mm, donc ça c'est vraiment bien. Avec des poignées rentables, voilà. Dessus la moto, j'ai le démarreur électrique, ça c'est vraiment bien, pas besoin de kicker, donc ça c'est top. J'ai aussi j'ai les pontées X-string, c'est pour le mal de bras, donc ça absorbe un peu les chocs, on va dire. J'ai pas eu le temps de trop essayer la moto, je l'ai essayé vite fait, mais dans un chemin. Donc on va voir ça très prochainement en vidéo sur la chaîne YouTube. Où je vais tester la moto. Donc aussi avec la moto, j'ai des têtes de fourche SCAR bleues, ils sont juste trop beaux. Voilà.
Donc ça fait vraiment tout. C'est la petite diff, la petite fourche bleue. J'ai également aussi la fourche avant et l'amortisseur arrière qui sont préparés. Donc voilà, ça a été préparé par l'ancien propriétaire. J'ai un kit départ déjà installé, c'est un Husqvarna, il me semble. Voilà, avec partie plastique, ben on a une déco. Voilà, donc je vais laisser ça pour le moment. Avec une housse de sel antidérapante Black Bear. Et après, ce qui est niveau partie moteur, donc déjà j'ai mis une complète AGS et je peux vous dire que ça craque pas mal. Fait un beau bruit, donc je vais vous faire écouter le bruit à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensuite, niveau partie moteur, en plus de la ligne HDS, le moteur a été préparé par un préparateur. Voilà, donc autant vous dire que la moto elle craque. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai les pneus, ils commencent à être un peu fatigués, mais je vais les finir pour cet hiver pour le moment. Ensuite, j'ai le kit chaîne qui a été changé par un rental. Donc j'ai une chaîne et j'ai une couronne bleue rental. Donc vraiment stylé. Voilà. Après, sur les Husqvarna, il me semble que c'est des roues Excel ou. Ah non, DID. Voilà. Noir. Donc ça fait vraiment joli. Après aussi, sur ma moto, j'ai une semelle en dessous là. Donc c'est vraiment bien. Elle est déjà équipée. Là dans ma prochaine vidéo où on va la tester, je vous déballerai. Je vais recevoir un colis pour cette moto. C'est pas grand chose, mais ça va faire la petite différence. Voilà. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Donc, déjà là, c'est un 250 FC de 2016. Donc, il est pas mal équipé. Donc, c'est vraiment bien. J'ai l'embrayage hydraulique comparé à la 125. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et le test arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube en GoPro. Donc, bah, voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo à tes collègues. Ça ferait super plaisir. Et merci aux 305 abonnés. Ça augmente, ça augmente. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce petit son du HGS pour finir la vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, peace et gaz. Voilà le bruit.